Bonjour à tous et à toutes, sur les émanés pour la suite de la Mice Age Wolf Ace Attorney Investigation. Encore une fois, après 3 ans, voilà. Du coup, la dernière fois, c'était il y a un moment, nous étions donc au fait que quelque chose s'était passé à l'ambassade de Babal. Et en même temps que l'ambassade d'Alabaste, on a vu que le samouraï d'acier c'était notre cher ami Paul Défès qui essaie de mentir et qui essaie aussi de se rendre dans la loge de la princesse Rose. Sauf que la princesse Rose, et ben c'était pas la personne qui l'espère, mais c'était notre cher ami Flavie et Jouette. Et nous avons donc à la fin découvert que les deux statues de Primidux, ce symbole incroyable de la colopie qui n'existe plus donc, avaient été changées entre les deux pays. Et la vraie la statue, qui était du côté de Babal, il me semble, a été utilisée pour tuer Jean Castou. Preuve qui a été révélée au Luminol. Voilà, et donc maintenant, on va continuer, on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, toi, t'as un truc à me dire? Hein, t'as un truc à me dire? Si, je sais que t'as un truc à me dire. Oh bah si, on sait jamais, écoute, hein. Ah bah non, 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 je suis allé trop en bas. Oh, sac et merde, man. Oui, alors. Oui, d'accord. Bon bah, mourir. Ah ah ah, lol, c'est drôle. Oh, mais tu... Non, tu penses? Ah, tu me surprends à chaque fois. Oh, vas-y, qu'est-ce que tu as trouvé? Oh, 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 elle est belle. C'est une lanterne. C'est la lanterne de Bray Wyatt. Ah, ça, c'était pour ceux qui connaissent le catch. C'est trop beau. Moi, je joue la même. Une flamme de couleur. Bon, on a déjà la flamme rouge dans une combustion, orangée. On a la bleue quand il y a énormément de carburant qui est projeté sur une flamme. Mais alors verte, oh, c'est beau. C'est trop bien. Mais oui, ça semblerait plus intéressant en fait.
parce que le partenaire particulier. Oui, voilà, exactement. Enfin, tu es une personne. Et je n'ai pas le choix. Voilà. Oh, elle est belle. Je la m'aime, elle est trop belle. Je mets ça sur une petite étagère. Et c'est beau. Alors, lui, c'est pas la... Pas la haine, non. Oh oui, tiens. Waouh, des tickets. Des tickets, des bons restaurants. Trop bien. Yeah, j'avais justement faim. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai l'impression, j'ai cette impression, je ne sais pas si ça vous fait, que il est potentiellement suspect. Alors, même si avoir sa dégaine et sa tête, on pourrait penser que non. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que moi je le considère comme suspect. Et mon suspect numéro 1, ce serait Shinna, l'acolyte de Lang, de l'inspecteur Yang. Lang, voilà. Parce que. Il y a un truc avec cette personne. Il y a quelque chose qui me dit peut-être. Alors, moi dis-moi, la statue des Primidux, hein, fameuse statue incroyable. Oui. Oui. On sait. Ouais, c'est... Merci de me le rappeler, mais je... C'est pas comme si je le savais déjà, mais je le savais déjà. Voilà, voilà. Donc, est-ce que c'était utile de me dire? Pas vraiment. Enfin... Non, même pas du tout. D'accord. Waouh. Alors, cette comparaison me fait penser à deux choses. La premièrement, c'est dans certaines thérapies, pour que les gens parlent, il faut qu'ils tiennent un objet. C'est... Alors, personnellement, moi, j'ai eu le bâton de la parole. Donc, tu as le bâton, tu peux parler. Ou bien... Et là, je vais m'enfoncer dans un terrain que je ne connais pas. Sur Twitter, voilà, je dis les vrais bails, où certaines personnes te disent « Je connais ça, donc je sais de quoi je parle et tu fermes ta gueule. » Voilà, je viens de ramener un truc de jeu vidéo à la réalité d'une manière plus ou moins équivoque. Je t'invite à être ton meilleur dislike pour cette comparaison si tu t'es senti misé. Oh, c'est honteux. Ah, oh, c'est honteux. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais. Ah, la clé. Mais dis-moi, et Jean Castoux, hein, ce fameux personnage. Un petit peu le fil rouge de ce jeu, quelque part. Même si le fil rouge, le plus probable, ce serait Van Karma. Mais le fil rouge, c'est le Yategarazu. Voilà. C'est le fil rouge. Voilà, dis-moi, est-ce qu'il mangeait des chips? Ou des gaufres? Au choix. Il était... Un homme doué. Oui, c'est très bien. Mais tu m'aides pas, en fait, mec. Oui, il était fort. Il était doué. Très doué. Occupé, à quel point? D'accord. Mais, en fait, Jean Castoux ne voulait peut-être pas que les pays se réunifient. Oui, c'est bon. C'est bon, moi. Parce que cela nuirait à ses activités de délinquant. Sa vie de voyou. Hein. La vie de voyou de Jean Castoux. On la connaît. Bon, du coup. La clé. D'accord, mais aussi la statue de Primidux, hein.
Cette fameuse statue des Primitux. Voilà. Ah, n'est-ce pas? Non, non, c'était toi! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh, des révélations! Il y a tellement de révélations! C'est incroyable! C'est fou! Ah, c'est fou! Oh là là! Je vous cache pas qu'actuellement, par contre, il fait chaud. Waouh! Et oui! Incroyable! Mais pourquoi? Oui, bah en fait, pourquoi tu avoues que c'est nous qu'on a la vraie statue, donc c'est nous qui avons le pouvoir, t'as vu? Oui, bah écoute. Bon, vu que tu es coopératif, je vais quand même te moins te suspecter. Voilà, c'est pas mal ça. Tu seras moins suspect que suspect. Voilà. Bah ouais. Totalement. Oui, bah écoute. Ah ouais, le résumé de 2 secondes en fondu au noir. Oh, waouh! C'était rapide. Mais ouais, par contrebande, par vol, enfin. Elles sont passées, on sait pas comment, mais elles sont passées. Et oui, ce fameux il était grasu. Tu es vachement bien renseigné, écoute. Vite. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? C'est... Bof. Un médiateur, oui. Peut-être, j'en sais rien. Ça se trouve c'est un mec, il l'a posé là, enfin, il l'a laissé tomber, pas il l'a posé. Ouais, bah écoute, ok. Et très bien, ouais, je prends, enfin j'ai pas le choix. Ça se trouve ça va m'aider, c'est une arme. Oh, cette animation de cherchage dans la poche. Incroyable. Oh, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Oui, d'accord. Oula, tu l'as gardé aussi longtemps? Du coup, j'ai une question. Une vraie question de physique. Pour ceux qui travaillent dans la physique et dans le parfum. Est-ce que un parfum, quand tu l'ouvres une fois à l'air libre, genre pendant même pas 2 secondes, et que tu le refermes, que tu le laisses pendant 7 ans dans un endroit sec, on va dire, est-ce que ses propriétés changent, c'est-à-dire au niveau de l'odeur particulièrement? Est-ce que c'est la même odeur ou bien il se passe quelque chose? C'est une vraie question, ça. J'ai des questions comme ça, c'est... Moi, ça me perturbe, tu vois. Enfin, ça me perturbe. Vite! Cours! Ouais. Donc, Albast, c'est à gauche. Et... Babal, c'est à droite. Ok. Je retiens. Waouh, la roseraie. Il est 21h58. Précision. Poil de Luc. Oh oui, oh tu es là, tu m'avais pas manqué. Et alors là, paf, une ombre.
Ouais, alors moi je trouve que c'est un peu facile de dire oh là là je l'ai vu. Enfin il était là. Parce que soyons réalistes. Tu peux tout et rien voir avec une ombre. En tout cas c'est un très beau marais. Enfin marais, c'est un puits magnifique. Ah, l'animation de l'eau qui coule, c'est trop bien. Oh non! Oh non, ça ne coule plus! Allez. Oui, c'est normal. Je vais prendre une photo avec mon smart téléphone et un papier, un crayon et noter tout ça. Oui, d'accord, que... Pourquoi? Pourquoi ma vie, c'est comme ça? Hein? Tu peux m'expliquer? Mais j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. J'ai montré que tu mentais, mais ça c'est un autre débat, dirons-nous. Hein? Hein, sac? Ah bah ouais. Tu serais capable de plonger ta main dans du verre juste parce qu'il y a une pièce tout en bas. Oh là là, t'as... Oh le... Oh! Oh, t'as fait un jeu de mots. Bravo. T'en fils. Pardon. Pardon. Oui, alors quoi? T'es en train de me dire que t'as un gamin. Genre un machin mal formé qui marche à quatre pattes. Mais pourquoi? Mais qui t'a dit oui d'accord, fais-moi un enfant, erreur génétique. Oh là là, oh tu m'énerves, oh mais pourquoi, oh il y a une erreur génétique. Sa mère. D'accord. Va falloir peut-être te prendre des coups dans la tête mon petit. Oui, moi, on est tous tombés par terre. Et en fait, ah, c'était non, c'est une poupée, d'accord, très bien. Ça veut dire que dans le background interne du jeu, c'est-à-dire dans le background du samouraï d'acier qui est dans Phoenix, dans les 7 années, le samouraï d'acier a un gosse avec la princesse rose. Je vous laisse avec cette information, en fait, ce que vous voulez. Parce que techniquement, c'est ce qu'il vient de dire. Et il y a un gamin en fer qui est sorti directement de la mer. Enfin, de la princesse rose. Mais cherche... Non... J'en ai marre. Mais pourquoi ma vie, elle est comme ça? Oh... Merde. Bon. Oh, très belle statue. Oh, elle est belle. Oh, j'aime beaucoup le... J'aime l'art, c'est beau. Waouh. Ouais, hein. Et toi, t'es pas doué pour... T'es pas doué avec ton fouet, hein. Ouais, j'ai beaucoup de réparties. J'ai énormément de réparties, ok. Oui. Sans loot. Oh, elle a voulu se la jouer bêtement. Oh, oh, c'est dommage, hein. Oh, c'est bête. Oh, regardez, je cours. Oh, 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 oh. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle, statue. Oh, elle est belle. Ah, c'est fou. Ah, j'aime beaucoup, j'aime l'art. J'aime l'art. Ça me semblait logique, hein, mon petit Hunter. Oh, non. Ah bah écoute, hein, ça... tout arrive. Un jour ou l'autre, tout arrive. Salut. T'as des super lunettes. Les badauds, sérieusement. Waouh! Tu viens de remplir le quota mensuel des policiers.
Enfin, de un policier. Quel dommage! Oh, c'est des délinquants à la vie de voyous qui ne respectent pas les passages picotés. Ouais, un petit peu quand même, hein. Un petit peu, tu m'as un petit peu aidé quand même. T'as peut-être pas voulu la faire, mais tu l'as un petit peu fait. Hein. Ah, merci, la vraie discussion. Ah oui, alors tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu l'as vu de tes yeux vus? Mais ça change tout. Ah oui, donc toi aussi t'as vu une ombre. Ouais, donc toi aussi t'as vu une ombre. Oh, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Non. Ah, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, je suis désolé. Tu viens ici, non. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Hein? Non, je ne suis pas d'accord. Ah, merci! Merci! Frangine. Quoi? Hein? Y'a un truc que j'ai pas compris? Eh, sinon, y'en a un, il avait une coiffe. Alors là... Ah non, pas de coiffe. Oh... Ah, oh. Oh, zut. Zut flûte. Bon. Oh, il a compris. Alors, moi je pense... Tu vois, c'est génial. Une ombre chinoise. Soit avec les mains. Et dans ce cas, ce serait très très fort. Soit une superposition de la statue. Alors là, je t'avoue que... Un génie. Ah mais je vais finir, hein. Superposition, j'ai dit superposition. Alors dans ce cas... Ah ah, et là tu vois la subtilité. Tu vois, subtilité, cette autre statue qui est juste là. Tu vois, subtilité. Tout un art. Et oui, oh, c'est incroyable. Regarde. Je sais pas. Tu connais pas la superposition. Tu me déçois. Ah, bah là. Ah bah, sûr et certain, mon grand. La grande. Ouais. Allez, vas-y, on y va. Allez, vas-y, on y va. Regarde, attention. Waouh. C'est super. Waouh, c'est bon. Ouais, oh, ouais, c'est ouf. Et attention, je vais voir. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, là, maintenant. C'est une licorne.
C'est une licorne. Oh. Ah. Oh là là. Ah là. Oh. Moi je dis, c'est la main. La droite, ouais, on va dire la gauche. Oh, c'est la main, mais de très très près. Oh, waouh. Oh, c'est un génie. Et là. Alors par contre, je suis pas du tout d'accord sur 2-3 trucs. Je vais chipoter un peu. Mais la main, je pense pas qu'elle soit aussi... je pense pas que la main soit aussi pointue aux extrémités. Hein. Ah, c'est vraiment... C'est tiré par les cheveux. Ah ouais. Eh ouais. Ah mais ça ressemble quand même. Hein. Faut se le dire, ça ressemble. Waouh. Waouh. Incroyable. Révélation de ouf que non. Ah. Ah ben ça, c'est la question. Oh, ça veut dire qu'ils étaient deux. Oh ben j'ai fini. J'avais perdu des points. J'en sais rien. Oh, c'est bad. Oh, c'est bad. Oui, c'est bad. Parce qu'il est bad. Oh, une vitesse à conviction. Waouh. Qu'as-tu découvert? Vas-y, dis-moi tout, je sens que... Des badauds... J'en ai marre. Ah! Génial! Le recoupement des incompétents. Les incompétents. Oh, et la photo. Attention! C'est une tâche. Non, c'est une tâche. C'est... Ou alors c'est une égratignure. Mais c'est très beau, hein. Vite, on y va. Oh, intéressant ça par contre. Vite, courons, allons-y, arrêtons de parler. Ou alors c'est un truc sans objectif. Hein. Faut arrêter de chercher très loin. Alors, elle a raison. Parce que je connais un de mes potes a connu un certain Maximilien Galactica qui volait grâce à des fils de nylon. Très résistant comme fil de nylon d'ailleurs. Ah, tu vois? Ah, tu vois? Ouais, mais est-ce que toi j'ai envie de te croire? Moi je dis c'est une tache sur la lentille.
hein. Allez, retournons à Babel. Vite. D'accord. Ok, très bien. Salut. T'as rien foutu pendant 20 minutes. T'as pas bougé pendant 20 minutes. Mais à quoi tu sers? Bonjour. Bon. Et maintenant, je vais... Un saut. Une rouette. Quoi? Non. Et là, c'est un sac de ciment. C'est incroyable. Et là, c'est des échafaudages. Je veux monter sur les échafaudages. Je peux pas. Tant pis. Et là, je sais pas où je suis. Ah bah oui, dans le bâtiment brûlé. Ah ça a bien brûlé quand même. J'avais oublié à quel point c'était brûlé. Salut. Tu fais quoi? Non! Alors, on n'en est pas sûr. Voilà. Déjà, une vraie. Voilà, bon, déjà, oui. Tu es très... Tu es bipolaire, monsieur. Va falloir arrêter. Voilà, parce qu'il y a un certain monde qui m'a dit « Hop, 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 allez, tu dégages. Allez, tu dégages. Allez, vous, tu dégages. » Je vais te poser des... Ce serait des questions affligeantes. Un n'importe quoi, d'accord. Quelle est la couleur du cheval blanc dans les 4? Petite demoiselle. Oh là 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 là. Comment ça parle mal? Eh ben. J'en sais rien. Il a disparu, c'était un ninja. Ah, c'est ça que tu penses. Ce serait quand même Balou qui Aria soit encore une fois impliqué. Ah là 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 là. Moi je maintiens que c'est Shinma qui est suspect numéro 1. Comment, pourquoi, j'en sais rien. Mais je ne sais pas. Tonton bad. Oh là là. Non, faut pas arrêter avec la famille. Écoute. Oh. Oui, alors. Oh. C'est une tâche. Arrêtez de penser que c'est quelqu'un, c'est une tâche. Oh. C'est une tâche. Donnez-moi l'objectif, je la nettoie, j'en prends une photo et puis voilà, y'a plus de tâche. Allez, vite. Vite. Commençons l'enquête. Oh wow. Alors. C'est brûlé, c'est brûlé, c'est brûlé. Ah voilà quelque chose d'incroyable. Non. Je veux marcher sur le corps. Je veux examiner ceci. Ce bureau. Incroyable. Ah bah oui. Oh, oh, mais il y a des choses intéressantes sur ce bureau. Ah, je l'aurai le repos, tu te répètes. Moi déjà, je veux voir cette encre. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que l'encre, ça peut brûler d'ailleurs? Étrange. Quoi? C'est pas de la vraie encre, hein? C'est une fausse. Ah d'accord, faut que j'aille te parler. Oh mais pourquoi? En fait, c'est comme ça partout. Dès que t'auras un doute, il faut que je revienne te parler. Alors, la mémoire à très court terme. Très bien. Ouais, oh, j'en peux plus. J'en peux plus de lui.
Ah bah c'est vrai. Ah bah c'est bien de me le dire maintenant. Par chance. Oui, par chance, hein, c'est... Oh, le... Alors, c'est rien. Ah, bah c'était il y a à peine 30 secondes. Ok. Ah, mais là, mais ça change tout. Oh là là, ça change tout maintenant. Deuxième étage, d'accord. Donc c'est celui... C'est là où on est. C'est là où on est, très bien. C'est une question de ma chance, vite dit. Ah, il est mort. Ah bah, il est parti en fumée. Il est mort, évidemment. Il est parti en fumée, lol. Oui, alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Hein? D'accord. Ouais, bon, et si on passait ton petit-déj? Hein? C'est pas que ça m'intéresse pas, mais... D'accord, mais non, en fait. Ah bon? Mais tu... Comment ça? C'est intéressant comme information. C'est très intéressant. Je note. Je note quelque part dans ma tête. Comment ça, Jean? Gueule, oh là là, ouais, ça a l'air un peu suspect, hein, ça m'a l'air un petit peu suspect. Waouh, du ménage. Fait du ménage. Alors, voyons voir, c'est un 10. Ah oui, tout est erreur. Alors, faisant brûler les dossiers, la cheminée et renverser l'encre, il a laissé les cendres. Ok. Donc, dans le bureau de Jean Gaston. Ok, très bien. Alors, l'après-midi maintenant. Ok. Ouais. Ouais. D'accord. Oui. D'accord. Ah. Waouh, t'as fait un effort. T'as fait un effort incroyable. Oh, c'est beau. Et là, bizarrement, c'est... Il était mort. Alors que j'étais certainement en train de me casser le cube juste pour monter à mon bureau. Eh ben... Oui. Alors en fait, ton encre, qu'est-ce qui va pas? Hein? Oui.
D'accord. Oh. Des flammes vertes. Réfléchis à ce que tu viens de dire, Benjamin. Ah voilà, c'est ça. Waouh, mais c'est trop bien ces propriétés de flammes vertes. Donc, quelqu'un aurait délibérément renversé de l'encre par terre et aurait mis le feu. Bah, l'encre, je sais pas. Oh, tu m'énerves. Bon, alors. Revenons au bureau parce que j'avais pas fini. Oui, du repos. Alors, examinons ce dossier. Qui m'a l'air parfois, ma foi. Ah non, c'est des coupons. Ok. Waouh. Moins 10% sur les vols sur les vols personnels. Profitez-en. D'accord. Des objets. Alors, là, on s'en fout. Ça, c'est un livre. Voilà. Le trésor du monde. Ouais, ah, c'est incroyable. Parce que la vie... Ah, zut, alors. Mais là, le téléphone. Est-ce que le téléphone fonctionne? Téléphone! Oui. Oui, ça se tient. Ah, sans doute. Mais... Imagination? Je connais pas. Je ne connais pas. Voilà. Ah bah oui, mais j'ai le droit. C'est, voyez, si tu veux. C'est exactement ça, t'as tout à fait raison. Okay. Ouais bah tout est brûlé, écoute. Hein. Même le journal, il est brûlé. Même ça, c'est brûlé. Son présentoir. Enfin, sa plaque, voilà. Ça serait vachement utile, dis donc. Ah, aussi. Ça met un peu plus de valeur. Bon. Bon. Alors. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est la sortie. C'est la sortie. Bon. Non. Voyons un petit peu. Oui, c'est perturbant. Oui, bien sûr. C'est une belle idée. Mais non! Ah, le coffre-fort. Ah là là, quel dommage. Bon, il y a ces statues. Hein. Oui. Et puis, c'est une erreur politique. Oh,
Oui. Oui. Je te crois. Bon, alors. D'accord, si tu veux. Oui. Ah bah même les manches. Même les manches, ils sont partis. Non, je vais examiner la fenêtre. Je vais examiner la fenêtre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi, il y a un mec qui est mort. Mais c'était pas important. Bon, eh ben, je sais pas avancé pour tout ça, moi. Hein. Ça m'avance pas vraiment de savoir tout ça. Enfin, peut-être un truc que j'ai raté. Un truc que j'ai raté là-dessus, c'est pas possible. Oh, ça c'est rien. Ah mais c'est ouvert ça. Non, c'est un bureau. Je sais pas, c'est ouvert ça. Non. Ah, bah tiens aussi. Ah bah c'est ça. Et dedans, oh mais qu'est-ce que c'est? Mais quel hasard! Oh mais quel hasard hasardeux! Eureka! Incroyable, ça ressemble à une pyramide. Enfin, un triangle. Non. Non, je veux pas voir. Non. Oh mon dieu! Cela voudrait dire quelque chose. Oh là 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 là! Et des révélations! Oh! Bah oui, c'est ce que je viens de dire. C'est qu'est-ce que je viens de dire, hein? Hein? C'est exactement ce que je dis, tu n'écoutes pas. Parfait. Vite. Ah bah moi aussi. D'accord, vas-y, dis-la-moi. Non, je t'ai demandé de me la dire, pas que je viens de me déplacer 3 mètres vers toi. Oh là là. Alors, oui, mais quelle est-elle? Oh. Oui, la statue est la vraie statue. Oui, était la vraie. Ok, ça d'accord. Ok, ça d'accord. Ok. Oui, blablabla. Parce que oui, la statue de Babel, ce n'est qu'une copie. Ok, ça on avait compris. Tu viens de le dire. Ok.
Oui, et ça, c'est ce qu'on veut savoir. Ah, hein. D'accord. Ah bah tu m'étonnes. Des milliers, des centaines de milliers qui, ou dans l'ambassade leur dit « Eh en fait lol, la statue c'était un prank, c'était une fausse, mais t'as un pouce bleu !» Comment ça, tu l'as vu le papier? Ah, c'est une vraie question, je voudrais le savoir moi aussi. Je ne le sais pas, pour le moment. N'est-ce pas? Ah! Parfait, toi, vite! Bouge ton luc. Qu'est-ce que c'est du papier? Oui, mais quoi tu parles en fait? Ah, c'est là, la pièce, d'accord, oui, la pièce là. Ah oui. Eh ben. Ah oui, le vol. Ah, j'ai fait ça. Incroyable, le petit voleur. La simulation en 3D temps réel d'une pièce. Ah, incroyable. Oui, d'accord, si tu veux. Ah, ça fait tit et paf. C'est ouvert. Waouh. Non. Oui, notamment c'est les flammes vertes. Ça se tient. Ouais. Cet individu est suspect. Moult chaud. C'est un génie. Ah, de l'encre. Beaucoup d'encre. Oui. Bah oui, tu m'en souviens. De l'encre. Oh, mais quelle est sa composition au jeu? Mais quelle est-elle? Oh, je me le demande. Oh, je suis en train de réfléchir. Prends ça. De l'encre, c'est de l'encre en fait. Non mais oui. De l'encre.
C'est pas ce que je viens de dire depuis 3 minutes au moins. Ben non. Oh, j'ai arrêté. Je vais trop vite pour l'histoire. Ah là là. Mais qu'est-ce qui est fait de cristal de roche? Ah, je me le demande vraiment. Ah, mais qu'est-ce que cela peut-il être? Prends ça. Voilà. Ah bon? Mince. Oh non. Ah bah voilà. Donc du coup, on sait peut-être. Ah bah, il la buvait. Ah ah. Il les stockait, quelque part. Trafiquer de l'encre. Un trafic de coupons. Non, avant. C'est un trafic... non. Un trafic de faux billets. Quand même pas. Oh, je suis déçu de cette révélation. Ah, je suis... Alors, je ne suis pas choqué parce que je me dis, ouais, peut-être. Mais je suis déçu de cette révélation. Cette révélation me choque. Je suis choqué. Ah. Allez là. Ah bah oui. Ah mais oui. Mais évidemment parce que quelque part tu es complice entre guillemets. Pour le moment tu es complice entre guillemets. Attention. Ça fait bientôt une heure qu'on est dessus. Hein. Mais on n'a pas fini parce que parce que c'est armoire. Enfin, c'est armoire. Une horloge. Elle a été déplacé. Bon bah le fait que Pala et nous, comme j'ai dit, est un suspect, ça se confirme vraiment beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup. Alors. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du fil barbelé. Non, fil de fer? Fil de fer. Oh. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que cela fait donc ici? Ouais. Bon. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est des billets. Enfin, c'est des billets. C'est des coupons. La Chine! Le Japon. Oh, je... Voilà, aussi. Mais ce fou de moi. Ah, j'en peux plus de tout. Ah, les restes du ventilateur, d'accord. Ok. Non, je crois que c'est un manège. Voilà. Ou un carry. Non, pas un carry. Un manège. Waouh. Tourner les bébés en rond. Et là, il y avait un couteau. Voilà. Bon, et ben, cela me paraît pas mal d'informations. Putain, ce gadget, il existe en vrai, mais ce serait tellement ouf, le garde-temps. Bon, alors. Toi. Parfait.
En fait, c'est recommandé de prendre les escaliers. Prenez les escaliers, c'est plus safe que de prendre l'ascenseur. Très important. Quoi, c'est étrange. Oui. Je vais me demander pourquoi, sans doute. Ah, ouh, il y avait quelqu'un dans l'ascenseur. Peut-être. Oh, dis-moi tout. Oh, dis-moi tout. Ouais. D'accord, oui, donc l'ombre. Voilà. Oh, l'individu mystérieux. Oh là là. Oui. Ça peut être bad aussi. On sait pas, ça peut être bad, hein. Il a un long menton. Manteau. Pas menton. Oh, je suis fatigué. Alors, on ne sait pas si c'est Calisteria, déjà. Premièrement, donc calmons-nous. Et ça peut être n'importe qui, quelque part. Oui. Bon, écoute, je te crois. Ah là là. Ah bon? Ah. D'accord, mais ça me dit pas où t'étais en fait. Ah oui, c'était China. China. Eh oui. Très très bien tout cela. J'avoue que c'est super incroyable. Parce que... c'est ouf. Et c'est bien ce que je pensais, c'était China. Est-ce qu'elle était là depuis le début? Ce serait quand même ballot. Enfin, ballot. Une sacrée coïncidence. Moi, tu as entendu. Ah, je sais pas. Je me dis. Ah là là, je sais pas. C'est une déduction. Bon. Bon. Alors. Oh non. Ah, c'est bon. Alors, toi. Bah oui, en fait, c'est mon travail actuellement. Oui, ça, je l'avais bien vu sur la brochure. En fait, c'est une bilatéralité grosse, enfin, assez grosse. Enfin, pour les endroits les plus importants, voilà. Parce que si jamais il y a un grain de poussière qui est pas bilatéralement symétrique à l'autre grain de poussière de l'autre côté, ça, c'est pas grave. C'est pas un mot que tu utiliseras tous les jours, bilatéral, par contre. Bien. Alors, c'est le moment de faire une déduction. Et si cette symétrie bilatérale sont symétriques, est-ce que, en ce cas, les cheminées étaient communicantes? Ça voudrait dire que tout cela serait connecté. Oui, c'était connecté. C'est ce que oui. Ah aussi, j'y avais pas pensé. Ce serait quand même ballot, hein, qu'on trouve ça.
Ce serait vachement malot. Ah non, je sais pas. Je ne sais pas. Ah bah, ce serait ballot quand même. T'es quand même vachement suspect dans cette histoire, mon grand. Je veux pas te le cacher. Attention! Attends! Oui, mais... Oh, c'est pas bien de mentir. Oh, l'ambassadeur, il a menti. Il nous avait dit qu'il y avait des cendres et qu'il n'avait pas le temps de nettoyer. Oh, quand même pas. Non, quand même pas. Oh. Mais il n'y a pas de cendres. Oh là là. Trop sérieux, regardez, je suis intimidant. Alors. C'est une vraie question, mais où sont passés les cendres? Oh. 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 Non. Mais. Il y a effectivement un passage secret. Ah oui, il fait mes données à jour sur les cendres. Et waouh! Ah mais j'ai pas fini. Vas-y. Et ouais, je vais t'époustoufler. Je vais le faire, Sherlock Holmes. Alors déjà, je vais vérifier que ça, c'était mis à jour. Voilà. Voilà, donc là il y a des trucs. Oui. Oui, oui, donc c'est un épisode de logique. Logique. Mais si il manque des cendres, est-ce que ça veut dire que quelqu'un aurait utilisé le passage secret de cette chimie? Ça semblerait logique. Non, c'est pas ça. Ou alors il y a eu un très très gros feu qui aurait brûlé même les cendres. Je suis pas sûr que ça existe. Ah, c'est le mur du fond, je pensais que c'était le mur de la pièce, moi. Oh. Expliquez mieux! Regarde bien. Voilà. Alors, écoute-moi bien, plutôt. Indice éloquent. Et super important, surtout. Ouais. Et là, on peut se demander quelque chose d'autre. On peut se demander quelque chose d'autre. Est-ce que l'évasion par la cheminée pivotante mènerait à là où se trouvait Shinna? Et là, ce serait une révélation incroyable. Ce serait... sacrée coïncidence.
Oui, c'est bien un tech team. Ah, tu as mis à jour. Ah bah, parfait. Ah non, tu as terminé, très bien. Génial. Allez. Alors, elle est suspecte à 1080%. Mais, on sait pas si c'est elle qui a tué. Ça pourrait être une sacrée coïncidence. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Ah mais, complètement, je voudrais bien, mais je sais pas. Ah mais il faudrait peut-être aller voir à côté, oui. Monsieur. Oh, mission, qu'est-ce qu'il va demander? Alors. Ah oui. Ça c'est d'accord. Et la deuxième mission. Ah bah oui, aussi. Moi je parie, il va se bloquer. Oui, un homme, ah ouais, incroyable. Bon, il va juste être sale. Attention. Révélation. Hein ? Oh mon dieu ! Ça pivote ! Tu vas rester coincé. Ouais. Donc, pas d'Aino. Si je le retire, mais je le suspecte. Voilà. Mais il est gros. Presque. Ah oui aussi. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? Est-ce que tu veux vraiment savoir? On a résolu un mystère dans une caisse et obtenu moult informations. Et c'est tout. Ah bah oui, j'aimerais bien, mais bon. C'est pas bien d'imiter les gens. Ah bah oui, en fait. J'aimerais que vous m'aidiez. Mais vous m'aidez pas. Oui, c'est pas ce que je viens de dire. Enfin, quelques... Non. Ah, tu t'en... Oh, c'est vraiment bien ce que tu me dis. Hein. Tu vas crocheter les cadenas des prisons. LOL. Ah, détective, enfin. Alors. Ah, il y a de la poussière. Mais fait. Je la suis, sans doute. Oh, une petite bronchite. Oh. Oh, ils ont pas fait ce détail. Oh là là. Bien joué, détective. Tu auras une promotion. Je double ton salaire. Même si 0 multiplié par 2, ça fera toujours 0. Mais justement, il faut. Alors, je devrais, je crois qu'il y a un S à la fin. C'est un instant grammaire nazi. Ouf. Oh, trop tard. Oh, c'est fini. Je me suis dit, allez, on y va encore une fois. Ouais. Bon, alors. Alors. Posons-nous un instant. Nous savons que maintenant que les ambassades sont bilatéralement symétriques. Que il y a eu deux incendies. Un premier à l'étage 3 et 4 de Babal et le second à l'étage 2. Tout a brûlé. Le corps de Jean Questou aussi. Dans le bureau de Jean Questou, il y avait de l'encre. Encre qui a servi à faire des faux billets pour booster l'économie.
Mais il y a dans sa cheminée menait à un autre passage. Passage qui menait dans la pièce à côté, où se trouvait par hasard notre chère amie Sheena. Et cela est très suspect. Et donc du coup, bah, plus de suspense dans ton suspense, c'est trop bien. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, cette vidéo qui aura duré une bonne heure et quart. Et oui, parce que c'est super important de l'enquête, de la narration et de l'histoire et des rebondissements. Je vous invite, évidemment, si cela vous a plu, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire si tu veux, à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite, et bien sûr, si le contenu te plaît en général. Il y a un Discord dans la description, il y a un Twitter, tu peux me suivre, je suis extrêmement présent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation.